l'impression que j'ai. On entend avant d'avancer. Par la voix. À l'est. Ah. Parce que ça c'est, parce que c'est la vie. Ouais. Normalement, il doit sortir par la mort. Par les fenêtres, côté mort. Et on va peut-être tout vendre pour gagner un peu d'argent parce que ça c'est des enfants pour son mari. Comme ça. C'est pourquoi ils ne sont pas mis ailleurs, ils ne sont pas mis dehors de la maison, dans les magasins, ils sont mis dans la maison. C'est-à-dire ça c'est pour la famille, pour les offrandes. Mais elle a le droit pour vendre. Pour gagner sa vie. Pour gagner un peu sa vie. Comme ça, ils sont des offrandes parce que son mari est mort. La population Toraja, bien que chrétienne, perpétue les rites animis, particulièrement ceux reliés à la mort. Rites reconnus par l'appellation de Aluktodolo, qui signifie « Way of the Ancestors ». Les rites funéraires des Toraja sont des événements sociaux importants qui réunissent des centaines de personnes pendant plusieurs jours et qui culminent par le sacrifice des buffles. Dans la cosmogonie Toraja, le buffle représente le véhicule menant au paradis. Ce n'est pas un animal de somme, il erre librement dans les champs jusqu'à son sacrifice ultime. Et ça coûte 10 millions de roupies ou 1000 dollars. 1000 dollars. Wow. Pour lui, là. C'est lui, il est mort. Nous sommes dans l'atelier d'un sculpteur d'icônes représentant la personne décédée. Celle-ci n'est que malade avant sa mort réelle qui a lieu lors de la cérémonie funèbre. Parce que les cousins croisés, c'est des cousins qui sont encore en arrière. Les cousins, les cousins. Ah, les offrandes, les cigarettes. Oui, parce que ça. Yeah.
Des bourgeois parce que c'est musulman, islam. Les Makassar et Bouddhis, Samba. Alors ils sont enterrés dans la terre. Alors la terre, on prend pour les tombeaux. Touraja, non. Alors ils prennent, ils cherchent les rochers, la grotte, l'arbre, tout ça. C'est pourquoi Touraja, ici la terre est un peu chère. Elle est plus chère ici que Makassar, la capitale.